Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes Guinéens à la haine. Raison pour laquelle nous allons toujours vous prier et vous demander de rester très très courtois dans vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons faire un petit détour du côté de la Guinée-Conakry où la dissolution du gouvernement se prépare. Car, comme vous le saviez, lors de son dernier voyage en Chine, Mamadi Doumbouya a refusé de serrer la main aux membres du gouvernement. C'était une façon de montrer son mécontentement vis-à-vis de ces derniers. Aujourd'hui, on assiste à l'interdiction totale pour tous les ministres de voyager. On se pose la question à savoir pourquoi Mamadi Doumbouya a interdit au ministre de quitter le pays jusqu'au 31 décembre. Alors la réponse est très simple. Il savait que beaucoup de ministres seront limogés et d'autres sont arrêtés pour détournement des deniers publics. Raison pour laquelle certains ministres qui ont des collaborateurs proches de Mamadi Doumbouya ont eu l'information et sont en train de quitter clandestinement le pays. C'est une situation de plus en plus critique. Et après la dissolution de ce gouvernement, le limogeage de Bahouri sera imminent. Tandis que certaines personnes annoncent l'arrivée de Ousmane Gawal Diallo à la primature au service du Premier ministre, car comme vous le savez, depuis les limogeages répétés, Ousmane Gawal Diallo reste l'homme de la situation du général Mamadi Doumbouya et beaucoup de personnes le voient diriger le poste de Premier ministre de la République de Guinée. Ce qui ne doit entre autres étonner personne. Car vous saviez, Ousmane Gawal Diallo doit faire bloc à Selloum Dalein Diallo. Ce qui peut, entre autres, faciliter l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir. Et comme récompense, il peut bel et bien être nommé Premier ministre de la République de Guinée. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez la vidéo si vous la trouvez intéressante. A très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.